L'histoire du Clos de Vougeot. L'édit de l'empereur romain Domitien, en 92, interdira la plantation de vignes hors d'Italie. Il fit donc arracher les vignes en Bourgogne, afin d'éviter la concurrence, sauf du côté d'Autun. Ce vignoble épargné suffisait aux besoins locaux des nobles. Cependant, Probus annulera cet édit, en 280. Sur des terres sauvages, et surtout humides, certains moines tenteront d'assécher les marais, pour installer une petite communauté religieuse. Un dénommé Robert, accompagné de 20 autres moines, prendront la possession d'une vieille forge abandonnée. Ce lieu prendra plus tard le nom de Petite Forgeotte. Nous sommes alors en 1098. Les moines, grâce à la forge, fabriqueront essentiellement des outils agricoles. À cette époque, Cluny s'était imposé dans toute l'Europe avec son ordre bénédictin. Mais le nouveau monastère installé dans la plaine de la Saône, dès 1123, s'était déplacé quelques kilomètres plus au sud. Et ceci, grâce au legs de Renaud vicomte de Beaune. Albéric, le nouvel abbé, fit construire un cloître en bois et une petite chapelle. Un nouvel ordre, relevant aussi de la règle de Benoît, commença alors à se former. Installé sur un lieu entouré de roseaux, Cistel en latin, il prendra plus tard le nom de Cîteaux. En 100 ans, plus de 500 abbayes, attachées à l'ordre cistercien, virent le jour. Cîteaux se dote alors d'un cloître roman de toute beauté. Une abbatiale simple, par rapport à Cluny, verra le jour et accueillera dans sa crypte quelques ducs de Bourgogne. Réservée aux moines de cœur, cette abbatiale sera considérée comme le fleuron de la pureté chrétienne avec son plan bernardin. Des livres et splendides enluminures seront créés à Cîteaux. Pour ce faire, une magnifique bibliothèque sera édifiée au-dessus de cellules de copistes. Grâce à ces générations de moines érudits, le rayonnement de Cîteaux sera immense en Europe. Dès lors, l'ordre cistercien, avec son chapitre général et le soutien des papes en Avignon, s'imposera face à Cluny. Depuis Bernard de Clairvaux, et sa stricte observance, le vin prendra une importance particulière chez les cisterciens. Détenteurs de secrets et méthodes de vinification, importées de Molesme par Don Robert, les moines de Cîteaux deviendront des experts dans l'art de l'élaboration de ce nectar, appelé communément le vin. La grange de Vougeot était une possession des moines depuis 1140, et à cette époque le vignoble était en plaine. Petit à petit, et avec l'arrivée du cépage Pinot Noir, imposé par le duc de Bourgogne, le bâtiment agricole de Vougeot s'étoffera. Par la suite, des vignes seront plantées à proximité des lieux.
Dès 1334, la vinification sera faite sur place, et des moines dédiés, ainsi que des converts spécialisés résideront en permanence dans le domaine de Vougeot. Le pape Clément V d'Avignon, et sa réputation de pontife adorant le vin, fera souvent honneur à ces lieux. À partir de 1342, le site sera clôturé par un mur d'enceinte. Et de statue de cellier, prendra le nom de château du Clos de Vougeot. Restauré après la Seconde Guerre, le château abritant toujours les anciennes installations vinicoles des moines deviendra la propriété de la confrérie des chevaliers du Tastevin.